Après la victoire de Saint-Etienne dans l'après-midi à Monaco, l'OL a été éjecté du podium avant le coup d'envoi de cette rencontre face à Lille. L'objectif pour les Lyonnais est donc double, s'imposer pour retrouver la troisième place et recoller aux Lillois qui sont 6 points devant. Les Dogs, eux, pourraient en cas de victoire sécuriser définitivement leur deuxième place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Genesio opte pour une animation offensive avec Depay en pointe, Fekir, Terrier et Traoré. Galtier titularise Rémy, associé à Bamba, Ikoné et Pépé. Même si le début de match lillois est intéressant, ce sont les Lyonnais qui vont frapper en premier avec le but de Martin Terrier qui retient sa joie, lui qui a été formé au LOSC. Tout est parti d'une récupération de Tanguy Ndombele sur la passe d'Ikoné, ensuite Depay fixe et décale idéalement Martin Terrier. La frappe de Terrier est détournée par Gabriel et trompe Mike Maignan. Ça fait 1-0 pour l'OL à la 11e minute. 9e réalisation pour Terrier, son 7e en 2019. La réaction des Lillois avec ce centre de Koné et la tête de Loïc Rémy. Belle intervention de Lopez. C'est une première période avec beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Mais ce sont bien les Lyonnais qui vont virer à la pause avec cet avantage d'un but. Match plaisant, équilibré. Lille n'a perdu qu'un seul match en 2019. Il va vouloir forcément revenir au score. Pendant que les Lyonnais, eux, voudront s'octroyer une sixième victoire lors des 7 dernières réceptions. Mais les hommes de Galtier vont égalisé à la 50e. Loïc Rémy profite de l'erreur défensive de Denayer pour éliminer Lopez et marquer comme lors du match aller. Mauvaise lecture du défenseur belge derrière. Ferland Mendy est surpris et belle lucidité de Loïc Rémy pour conclure dans le but vide. Ça fait un but partout et puis 2-1 pour le LOSC à la 68e avec le but de Boubacari Soumaré. Son premier but en Ligue 1 Conforama. Le jeune milieu de terrain de 20 ans profite lui de l'erreur de Léo Dubois. Soumaré titulaire au milieu de terrain en compagnie de Thiago Maia puisque Mendes et Sheka sont absents. L'OL va pousser pour égaliser. Fekir but sur Maignan. La frappe de Dembélé est repoussée devant la ligne, mais en troisième temps, c'est Dubois qui se rattrape de son erreur sur le but lillois pour égaliser. 2-2. La meilleure défense du championnat a cédé pour la deuxième fois de la soirée. Le score ne bougera pas comme à l'aller. 2-2 au terme d'une rencontre débridée. C'est Lille qui réalise la bonne opération en conservant ses 6 points d'avance sur Lyon à 3 journées de la fin. L'OL retrouve le podium mais ne compte qu'un point de plus que Saint-Etienne avant de se déplacer au Vélodrome le week-end prochain.